Ouais, je suis satisfait de la course. Après, voilà, c'était une course de préparation. L'objectif, c'est samedi prochain, c'est le Tour de Lombardie avec Thibaut. Donc voilà, là, on était là pour faire des efforts, mais pas trop non plus. On avait évoqué de faire sur Anthony, mais il se sentait pas trop bien. Donc dans le dernier tour, il m'a dit, fais ta course. Voilà, j'ai essayé de faire un sprint, je l'ai lancé un peu trop loin, je le lance à 300 mètres, donc ça a été long, surtout que c'est un peu en faux plat montant. Mais bon, voilà, je suis satisfait quand même de ma petite placette. Hein. Alors du coup, vous nous avez parlé d'Anthony Roux qui a chuté. Vous l'avez vu dans le bus, là où on l'a vu passer la ligne, le cuissard un peu déchiré. Comment ça va? Ouais, il a chuté à 2 ou 3 km de l'arrivée, il y a eu une grosse vague et il voulait même pas faire le sprint, il voulait pas prendre le risque, mais il s'est retrouvé par terre. Il n'a pas l'air très bien, il a mal au dos, il a un gros point de côté, donc bon, j'espère que ça ira mieux pour les prochains jours. C'est ça qui vous a raconté, grosse vague? Oui, ben moi je l'ai senti la grosse vague parce que le mec est venu se coucher sur moi. Et après, moi il m'a envoyé un peu dans l'herbe et il est tombé et après derrière ça a fait strike. Merci beaucoup Mathieu, et donc rendez-vous avec l'équipe Groupama FDJ toute la semaine et surtout samedi. Oui, je pense le deuxième, enfin après le premier objectif c'est le Tour de Lombardie, mais il y aura quand même Milan-Turin qui est une belle préparation et une belle arrivée pour Thibaut. Merci beaucoup Mathieu.